Bonsoir tout le monde, moi très content avec vous pour voter pour avant-dernière nouvelle journée dans un budget nous balouer puis gros point actualité. Rapidement, un petit gros point journal là, travail construction espace pour installer matériel pour fournir c'est courant. C'est environ 2000 dans communes les Irois avancées d'après autorité zone lance, c'est un signe qui montrait volonté président Jovenel Moïse gagnant pour bailler commune ça, il y a l'autre visage. Environ 48 000 kilos cocaïne saisie, 46 machines avec 20 motos confisquées, 588 moun interpellés et puis recherche derrière 329 lots, c'est bilan. La police nationale d'Haïti pour l'année 2017 là, selon porte-parole en après la police là, inspecteur Gary Desrosiers présenté jeudi à. Et l'autre bois, la police nationale d'Haïti arrêté 4 individus dans cadre enquête direction centrale police judiciaire sous assassinat Père Joseph Simoli. Pour premier lundi, la presse année 2018 là, c'est directeur général archives nationales d'Haïtia, Wilfried Bertrand, qui présentait bilan activité archives nationales réalisées pour l'année 2017 là. Échange a continué dans chambre députée pour formation en bloc qui doit être inscrit dans BIOA. En vente formation commission permanente, plusieurs rencontres faites dans sens ça, d'après député Grand-Guavla Jean-Marcel Luméran. Et puis compagnie Universal Motors, si un lundi 15 janvier, yon accord partenariat avec Barreau Port-au-Prince dans l'idée pour faciliter avocat qui fait partie Barreau à bénéficier d'une machine tout neuf à crédit. Office protection citoyen commencé en série débat dans objectif pour mettre en valeur quelques personnalités nationales et internationales cap bataille dans domaine droit moun. Actualité à l'autre bord de l'eau, moins pas raciste, ces déclarations président américain fait hier dimanche là devant plusieurs journalistes dans l'idée pour mettre en bout à polémique qui était soulevée jeudi passé à façon l'état qualifié Haïti, Salvador et pays Afrique. C'est pour ça qu'un pilote nous va développer pour vous dans le journal. Là. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Nous avons l'ouvrir le journal là qui est un bulletin météorologique. Nicole François Selom a présenté. Salut à tous, avec un peu de plaisir, je nous connais là. Moi, retrouvez nous aujourd'hui pour le bulletin météorologique là, qui est en condition à Isopéa. Eh bien, c'est ça, nous allons voir Kounia avec différentes images. Guillaume Asdia, qui plus ou moins était stable pendant une semaine, ça, au niveau pays d'Haïti, par rapport à une zone de haute pression qui chita sur l'Atlantique là, ça permet à ce que l'activité la plus réellement limitée au niveau pays, hein, pour aujourd'hui. Hein. C'est seulement quelques petits averses isolées qui ont fréquenté quelques départements dans le département sud là, surtout. Avec au niveau la Tibonite, mais franchement, c'est des averses réellement faibles, isolées, qui ont touché le pays hein, pour aujourd'hui. Pour ça, avec les gens qui sont sous côté, il y a un temps qui était stable après-midi, en tout, avec présence de quelques nuages, pas de trop de chance pour la pluie de tomber au niveau de Port-au-Prince aujourd'hui. Hein. Température maximale, là, c'est entre 30 et 33 degrés Celsius, minimale, là, descendre à 20 à soir. Hein. Et j'ai moins dit, non, pas de trop de chance pour avoir la pluie qui tombe au niveau de Port-au-Prince aujourd'hui. Hein. Dans la page maritime, là, au niveau côte nord, golfe de la Gonâve avec côte sud payant, c'est des vagues plus ou moins tranquilles qui fréquentent les côtes aujourd'hui. Hein, donc, c'est pas trop agité. Mais quand même, n'a rappelé capitaine, il est toujours très prudent, les apprendre au large au niveau côte pour aujourd'hui. Hein. Et pour nous finir, dans la page astronomique, là, le soleil a couché sous port après aujourd'hui, hein, c'est 5h33. Il y a plevé demain matin à 6h25. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec nous pour toute information. Ça, yo. Merci pour attention, nous. Bon après-midi. Excellente soirée. Jean nous t'a annoncé dans le titre journal là, travail, construction, espace pour installer matériel pour fournir courant dans la commune Les Irois avancée d'après autorité zone là, magistrat Les Irois, Jean-Pierre Westy fait qu'on est presque tout matériel déjà sous place. Yon signe qui montrait volonté président Jovenel Moïse Gagnan pour bail à commune ça, yon l'autre visage et puis bail population en plus encadrement. Reportage Anne-Marguerite Auguste avec Michel Joseph. C'est environ 2000 familles qui pourraient bénéficier courant dans la commune Les Irois
avec installation système ça président République là Jovenel Moïse a tabli dans zone là. Magistrat Les Iroirs Wesley Jean-Pierre fait connait infrastructure ça à 90% pour le fini, ça veut dire pas gain trop de temps qui rete pour mon Les Iroirs bénéficier courant la caillou. Li remercier chef l'État qui prend décision ça qui pral faciliter développement commune là. Population yo très très content et yo félicité président en pile. Yo félicité gouvernement en pile. Yo félicité tout le monde, toute instance qui impliqué pour que le projet ça là jodi. Son cœur content, on dit population yo prend projet ça à deux bois. Fòm di nou a 90% des risques projet. Et m'espérer que avec volonté président Jovenel, volonté tout gouvernement, volonté peuple Iwa, technicien yo, m'pense Iwa a réussi là 100%. Avec président pour que nous ka réaliser ça yo parce que c'est rêve population yo. Avec ça, nous connaissons président pour Iwa, li avi. Magistrat Wesley Jean-Pierre profite citer quelques autres problèmes y a confronté dans la zone qui mérite attention autorité centrale. Nous avons tronçon route Iwa Tibiouan et ensuite nous avons unification commune parce que ça c'est une langue de population. Encore, nous avons lycée pour que nous commençons à entreprendre des marchés, pour que nous arrivions à réaliser. Et ensuite, nous avons du gouvernement, population en Kouelan li, spécialement président Jovenel. Installation centrale ça dans la commune Les Iroirs fait partie du projet courant 24/24 président Jovenel Moïse a mis dans le pays. Une infrastructure population applaudit. L'autre point pour l'année 2017 passé à direction centrale police judiciaire. Saisi environ 48 000 kilos cocaïne, confisqué 46 machines avec 20 motos. La police nationale d'Haïti a interpellé 588 moun et puis mettait à vie recherche derrière 329 lots. Ses porte-parole en après la police, la inspecteur Garé de Rosé, qui présentait bilan ça lundi 15 janvier 2018 là. La police nationale d'Haïti a arrêté tout 4 moun semaine passée dans le cadre d'enquête direction centrale police judiciaire. Sous assassinat paix Joseph Simoli, porte-parole adjoint police nationale là, inspecteur Gary Desrosiers expliquait la police confisquait 2 motos et puis saisit un pistolet pendant opération 1. Inspecteur Gary Desrosiers tenant micro John Herbie Casseus avec Michaud Joseph. Assassinat père Joseph Simoli, 54 ans, côté que il y a une grosse avancée qui fait sur enquête là au niveau de la DCPJ. Et enquête là la continuer pour que nous capables d'arriver arrêter mettre la colette by la justice tout auteur tout monde qui impliqué dans assassinat père Joseph Simoli 54 ans Jonathan Serville qui continue que le Nathan qui a 28 ans qui fait Pétionville exempt ou timulâtre il fait le 10 septembre 1986 Tempérin Jocelyn Philogène il fête le 2 mai 1997. Jean-Louis Pierre, il fête le 8 janvier 1986, Port-au-Prince. Chef d'accusation, assassinat, détention et port illégal ZAM, association malfaiteur. Dans le cadre d'opération, ça, DCPJ confisqué 2 motos, également, yon revolver, de calibre 38 que dans quatre opérations que DCPJ saisit dans main bandits notamment dans main Jonathan Serville Zamzar. Selon rapport autopsia Persimoli prend yon balle au niveau bois gauche qui passé dans la cage thoracique et balle logé dans le côté vital dans le col et qui provoquait une hémorragie et qui malheureusement tué père Joseph Simoli. Et présumé bandit, il prend transféré dans le parquet, côté que la justice justement gagne un travail pâle pour le préfet et enquête là l'a continué. Dans quatre dossiers ça. Monsieur Sayo impliqué dans assassinat qui était fait sous inspecteur de police Chibli jeune le 2 avril 2018 Delma 95
2017, pardon, et impliqué tout dans l'assassinat qui était fait sur Frédéric Vio. Office protection citoyen OPC commencé une série débat non objectif pour mettre en valeur quelques personnalités nationales et internationales qui bataillent dans le domaine droit moun. Jeudi, lundi 15 janvier, qui c'est journée commémoration Martin Luther King, responsable OPCO, organisé un débat dans l'honneur l'idée noisa, dans l'idée pour expliquer travail l'idée qu'on réalisé pendant l'étape vive. Puis j'ai invité en cours président fédération protestant pasteur Sylvain Exantus, professeur université docteur Elie Thébault, avec divers lots, t'es présent dans la rencontre ça, discussion yo, t'es centré sous doigt moun. En suivre. Pour commencer l'année, nous commençons là avec Dr Martin Luther King. Comme nous connaissons, 15 janvier, c'est la journée internationale du Dr Martin Luther King, qui est un personnage très important, qui a fait avancer la cause des droits civiques et politiques aux États-Unis d'Amérique, qui a lutté contre le racisme, contre le préjugé de couleur, contre la discrimination, et qui a choisi comme axe de bataille comme moyen la non-violence. Donc c'est l'occasion pour nous-mêmes, pour nous capables de permettre jeunesse là qu'on est, qui personnage ça, permettre à jeunesse là ouais, comment que il y a nécessité pour la lutte qu'il y a mené, pour prioriser la non-violence, pour être capable de prioriser une sorte de culture de la paix et qui est capable de porter des résultats. Alors pendant toute l'année, c'est plusieurs personnages que nous avons eu la chance pour nous parler de eux, pour nous présenter, pour nous présenter biographie, présenter action. Nous avons des gens tant qu'on tenu firme, nous avons des gens tant qu'on nous capable de dire Rosa Parks aux États-Unis d'Amérique, nous avons des gens tant qu'on Nelson Mandela que nous avons eu pour nous présenter, nous avons des gens comme le professeur Jean-Claude Bageux. Nous avons des gens vivants tout également, que nous avons pour nous présenter biographie, parce que c'est des gens qui étaient gourmands pour faire avancer la cause droit droits en Haïti. Nous avons tant que le professeur Gérard Goug, nous avons tant que le professeur Victor Benoît, le professeur Gérard Goug, nous avons des gens qui prennent le risque pour organiser en novembre 80 la première conférence débat sur la question des droits de l'homme à l'église Saint-Jean Bosco. Pendant la période de Duvalier, nous avons des gens tant que Madame Rimpel, que nous connaissons, qui était violée en 1958 et qui était assassinée en 1986. Donc, en tant qu'institution qui est là pour faire protection, promotion, nous entendons permettre la jeunesse haïtienne, la génération montante, la génération actuelle, permettre qu'on ait des personnages vivants, des personnages déjà décédés, des personnages nationaux, des personnages internationaux et qui t'ont embrassé cause droit de l'homme non, et qui t'ont fait l'avancée par leurs actions positives. L'autre nouvelle, ministère communication recevoir lundi 15 janvier, directeur général archives nationales d'Haïti, Wilfried Bertrand, qui présentait bilan activité archives nationales pour l'année 2017 là. Directeur général Wilfried Bertrand, qui t'a intervenu dans le cadre premier lundi la presse pour ANEA, expliquait archives nationales à travail ensemble avec ONI, DGI, immigration pour résoudre problème documents identité dans le pays. Directeur archives nationales l'a dit tout. Il y a travail pour améliorer qualité service là. Et puis, il potel pipré population. Il y a un extrait dans le micro Rachel Saint-Fort avec l'Aurore Darly Jean-Jacques. Nous avons un programme pour aborder l'année, ça, année présidence, président Jovenel Moïse. Nous avons un programme, nous avons un programme de gestion des documents administratifs PGDA que nous mettons en place avec OMRH. Et déjà, manuel d'exécution programme ça après, il ne sait que texte politique archivistique nationale après tout, c'est tant n'a tant pour nous commencer à mettre en application. Programme ça, ça va permettre de nous faire. Dans chaque administration, nous connaissons depuis après 12 janvier, tu as gagné un pile de documents qui froissé, qui gaspillé, qui perdu, que nous récupérer tout, qui est dans mauvais état.
Eh bien, le programme ça a visé à récupérer tout document ça, qui dans différents ministères, dans différentes institutions un peu partout, pour nous trier, classer, et pour nous rendre accessibles à décideurs nous, et à, également à chercheurs. Dans la foulée de PGDA, nous avons consulté, contacté une firme qui a fait une étude pour nous, une étude de cadrage, qui s'achève à vieillir dans les 5 prochaines années. Document ça, lui paraît, et nous avons acheminé le bal, et le Premier ministre, et le Président de la République. Et objectif final, étude ça, c'est faire en sorte que l'archive nationale finit par gagner Samdarele, un bâtiment au nord. La question identitaire. Mes amis, nous avons chance, pour la première fois, de joindre un président qui comprenne l'importance question identitaire là dans la vie nationale. Le président arrivé avec toute volonté de gagner, comme il toujours dit, avec, mais, il n'a pas de l'autre ressource, il n'a pas cherché l'autre ressource dehors. C'est même ressource qui est disponible, il pourra l'utiliser à travers visionnier pour que il rende bagaille fonctionnel. Et effectivement, avec volonté, ça a été gagné. Nous réussissons à faire, mettez-nous ensemble, Archives nationales, ONI, et direction immigration, avec direction générale des GI. Nous toutes mettons ensemble. Nous pouvons aller vers Samdarele, une sorte d'intégration de toute base de données, nous, pour que nous facilitions la tâche, parce que l'objectif, président, c'est, nous déconnons dans la feuille de route là, c'est amélioration de la qualité des services aux citoyens. D'ici 2 semaines, nous avons inauguré une 4e annexe, qui est nommée Delma 39. Nous avons déjà invité, annoncé la presse qui exactement date d'inauguration. Donc déjà, nous avons invité toute la presse déjà à Vinoué, ça a fait dans Delma 39 là. Qui s'allie? Dans l'affaire question identité, l'archive nationale, c'est le premier maillon chaîne. C'est nous-mêmes qui pouvons alimenter, sinon, dans l'ONI, c'est nous-mêmes qui pouvons alimenter le passeport. Ça, nous allons le faire. Nous allons faire en sorte que l'objectif final là, c'est l'on besoin de l'archive ou paraître dans la salle là. Ou prendre un numéro, ou payer, et puis ou chita et vous extraire. N'a pas direction palmaïtien, côté bureau chambre député a organisé plusieurs rencontres dans l'idée pour joindre une entente sous formation commission permanente. Entre temps, en plusieurs députés a échangé entre eux sous formation bloc yo qui doit inscrire dans BIOA avant formation commission permanente. En côté précision, député Grand Guavla, Jean-Marcel Luméran, dans micro Fédère Confident avec Moïse Ruelbridge. Bon, réunion de bureau avec les anciens blocs politiques pour que vous planifiez sur la séance de demain, séance plénière, pour qu'on ait formation de commission, puisque les commissions y a formé après que bureau a inscrit bloc politique en séance plénière. On attend d'abord la séance de demain pour que vous inscrit bloc politique, nouveau bloc ou bien bloc abcrasé, et que pour être capable, à partir de formation de nouveaux blocs, pour déterminer comment ils vont répartir les commissions. Moi-même, je moi ne fais partie d'aucun bloc politique, puisque l'ancien bloc auquel je suis appartenu, c'est GPI. Donc en attendant, moi été comme étant un non-apparenté, et je vais écrire au président une correspondance pour l'informer de situation en assemblée députée. Donc je reste à la disposition de l'Assemblée. Et je participerai au débat à toutes les séances de l'Assemblée, donc comme député à part entière. La députée circonscription d'Edunlan, Baudelaire Noël Saint, encourager exécutif la publier résultat élection indirectio, cap faciliter développement et décentralisation section communalio. Yon l'autre bord, député Noël Saint souhaité agenda législatif Anessa, pas printemps pour descendre dans le Parlement. Yon extrait dans le micro Fédère Confident avec Moïse Wilbridge. Dans l'occasion de notre parlementaire, ça, dans le niveau de chambre de députés, hein, nous prenons le travail, disons bureau d'abord, assemblée ensuite prenons le travail avec l'exécutif pour nous définir
agenda parlementaire pour l'année. Dans cet agenda, moi-même personnellement, je reconnais que ça peut rien. C'est sûr que dans l'agenda l'année dernière, il y a un point qui peut être fini, nous allons travailler sur eux. Exécutif, nous allons définir les priorités, nous-mêmes, nous allons établir le cadre de travail. Mais nous-mêmes, dans la vérité au PL et alliés, il y a un bagage qui préoccupe nous en pile. Ce qui préoccupe nous, c'est que tu as une élection indirecte qui n'a pas fini l'année dernière. Tu as une résolution du Sénat qui t'a fait exécutif la campagne sur eux. Nous pensons que l'important, pour nous sauver le processus démocratique là, et surtout pour nous continuer avec l'idée de décentralisation qui fait pour tourner une charnière l'État nous besoin de construire, nous pensons que l'impératif, l'important pour l'exécutif là avec CEPA, pour les dispositions nécessaires pour nous reprendre l'élection. Parce que ce n'est pas normal, presque un an après l'élection de base, l'élection collectivité, l'élection indirecte a continué, il y a campé en route et jusqu'à présent, les gens qui ont commencé, qui étaient élus déjà pour l'Assemblée municipale pour le conseil, ils ont beaucoup d'autorisation pour fonctionner, ça a paralysé tout le système. On a fait appel à l'exécutif, on a fait appel à CEP pour gagner les dispositions nécessaires qui pourront prendre pour ça au fait. Nous-mêmes, dans la Chambre des députés, en tout, nous avons un agenda législatif pour nous essayer de ne pas porter point ça dans cet agenda. Parce que c'est un impératif pour nous construire l'État, il faut nous construire la partie de la base. Or, la base, dans la structure de l'État, nous gagnons, c'est les collectivités territoriales et les assemblées qui doivent en découler. Nous allons observer et une pause, amis téléspectateurs, rebrancher Naptounet. N'a pas continué à actualité. Historien Pierre Buteau réagit lundi 15 janvier sous déclaration président états-unien Donald Trump qui t'a qualifié Haïti pays de merde. Professeur Pierre Buteau souhaitait Haïti profiter occasion pour redéfinir tête-li comme nation. En suivant déclaration historien, Namiko Rudley Noël avec Jean-Jacques Darly Laurent. Fon redéfinir tête-li. Il faut nous redéfinir tête nous parce que nous avons défini tête nous pendant tout le 19e siècle. Et nous avons défini tête nous, nous avons un cadre référentiel, nous avons un cadre moral tout. Et même si nous sommes capables de prêter toutes sortes de significations à thème moral là, mais nous avons un cadre moral que nous avons perdu, nous avons un cadre référentiel que nous avons perdu, qui te paraît avec force redéfini en 1946, que après 86 nous avons perdu net. Peut-être que c'est la tragédie du Valia qui fait nous perdre, mais c'est ça pour nous redéfinir. Il faut nous redéfinir tête, il faut nous dire qui est-ce qui est Haïti. Vous comprenez? Parce que Haïtien pas quoi dans tête li, et c'est une valeur républicaine, la confiance en soi. La confiance, et yon en nous, chaque monde fait confiance. Et moun yon vini à vivre en Haïti, on dirait yon entre parenthèses en Haïti. Haïti son côté. Et qu'on. Même nous, même Haïti, on ne pas respecter Haïti. Bon, ils ont voulu pour respecter Haïti. Ça ne veut pas dire que là, nous ne pas condamner le propre président américain. Non, nous condamner avec force. Et bien sûr, son malaise plutôt pour le peuple américain. Le peuple américain gêne en pile avec le président. Ça. D'après une responsable, parti politique Unir, Clarence Renoir, réaction l'État haïtien gagné suite à la déclaration président américain Donald Trump correct. Ancien candidat pour poste président qui t'a participé dans l'émission mise au point lundi 15 janvier, souhaitait haïtien prend parole ça pour motiver yo pour yo changer situation ak état pays ya. En suivre. Je ne pouvais pas attendre mieux du gouvernement haïtien que yo condamné li, que yo convoqué chargé d'affaires là, même si certains monde trouvaient qu'il y a un peu de timidité dans la réaction haïtienne là, officiellement. Mais écoutez, le président Jovenel Moïse est en train de gérer un pays aussi. Il n'y a pas d'ennemi, on n'est pas ennemi des États-Unis. Haïti n'est pas l'ennemi des États-Unis. Le président américain doit faire un écart de langage, ou bien, qui est condamnable. Hein? Je ne vais pas l'excuser pour me dire écart de langage, c'est sa nature propre. Et nous sommes capables de garder l'autre dirigeant qui a le même type de langage, ça, tout, haïtien d'ailleurs. Donc, et réaction haïtienne, officiellement, je trouvais que c'est correct. Je ne vais pas aller au-delà de ça. Nous avons encore besoin des États-Unis comme partenaire économique, comme partenaire tout court. Nous avons 80 000 personnes qui ont demandé quelque part un TPS priorité aux États-Unis. Écoutez, si Haïti était aussi bon que nous avons fait quoi le bon par rapport à la déclaration de Trump, mais 80 000 Haïtiens pour nous dire, voyons, tout n'est pas nous là, nous ne sommes pas capables.
Nous pas capables. Les Haïtiens vont toujours demander un visa aux États-Unis ou ailleurs. Donc il y a des réalités à gérer. Je crois que la réaction haïtienne est mesurée peut-être, mais elle est correcte. Et l'idée n'est pas exagérée pour avoir une escalade, et pour nous une victime de escalade ça nous-mêmes. La seule chose, encore une fois, moi pensais que moi besoin d'un mouvement national haïtien, natif natal, pour nous dire à nous réveiller, nous. Peut-être qu'il faudrait aussi s'attendre à ce que une grosse manifestation faite dans Port-au-Prince, ou bien en Haïti en général, pour nous dire nous sommes indignés, nous sommes contre cette déclaration, nous demandons des excuses, mais il faut que l'âme haïtienne se réveille, se sente choquée par ça, pour nous faire un mouvement national. Bon, puis une fois, nous très émotifs et nous émotionnels, bah, la passée, tout le monde est là, et puis après, on s'y tient tout le monde est fret. Ouais, c'est dommage. Encore une fois, quand on me dit, moi-même, je pensais que l'idée marquait une prise de conscience. C'est bien que le vini dans le commencement de l'année 2018, là. C'est le temps des résolutions, le temps des dispositions, des nouvelles dispositions. Donc, faisons ce vœu à Haïti. À partir de 2018, ça crivait nous là pour nous dire, eh ben, nous avons commencé une année, en nous garder si n'a pas fait le grand rassemblement. Moi, je dis unir, en nous réunir, nous, en nous mettre tête nous ensemble, en nous quitter clivage politique de parti ici, de parti là, etc., excusez-moi l'expression, pour nous garder nous en tant qu'haïtiens, en tant que peuple, qui doit unir nous. Écoutez, le peuple américain est uni. Hein. Malgré division gagnée autour de Donald Trump président, malgré élection gagnée chaque 4 ans aux États-Unis, gagnée un président démocrate ou républicain monté, mais le peuple américain est uni derrière un idéal américain, l'idéal de grandeur des États-Unis, l'idéal de toute puissance des États-Unis, l'idéal de richesse que gagne la caillou. Donc nous-mêmes tout faut nous unir nous. Et faut ne pas quitter clivage politique là yo fait que nous pas parler avec opposition, nous pas rencontrer monde qui sous pouvoir, nous pas le déchouquer, nous pas le faire ci, nous pas le faire ça et puis oublier l'essentiel. Pour moi, en tout cas à unir, je parle au nom de ce parti auquel j'appartiens, pour moi l'essentiel c'est Haïti. Qui ça nous capable de faire ensemble pour nous arriver à changer l'image pays noir pour de bon et pour de vrai. Vous parlez d'un véritable mouvement que tu as dû déclencher après ça qui passé à M. Renoir, mais au fait, on est d'accord tout que nous avons un pays qui est très divisé, vous voyez, et nous avons plus de disparité, nous pas parler de notre gouvernement. Nous pas qu'à diviser sur question ça. Sur question Donald Trump. Qui dit ça, le dit de Haïti, le dit de tous les Haïtiens. Bien sûr, la façon dont je fais front commun ça pendant une tissu social là, ça lié. Ou même occasion pour me dire un bagage en plus. Allez-y. Ça m'a dit là, je ne parle pas des riches et des pauvres. Je parle de tous les Haïtiens. Je ne parle pas de monde qui est au pouvoir, monde qui est dans l'opposition. Je parle de tous les Haïtiens. Quelle que soit nuance de couleur ou capable de gagner. Quelle que soit petite nuance de couleur. Il y a des gens qui pensent, bon, moi, je suis blanc, je suis demi-blanc, je suis mulâtre, donc là, ça va concerner. On est tous concernés par ça. Parce que nous vivons là. Côté Trump qualifié de pays de merde, là, c'est là qu'on vit. Donc, si nous ne voulons pas au monde qualifié de pays de merde, nous avons des choses pour nous faire. Le simple écolier dans la rue doit savoir que je ne peux pas jeter fatras dans la rue parce que je fais pays non pays de merde si je fais ça. Les gens qui vendent dans la rue, ils doivent vendre peut-être, mais après, il faut le nettoyer bon, côté le fin vendre. Pour ne pas quitter la rue dans l'Italie, là, qui semble vraiment un bagage qui est innommable. Faut nous pas peu dire nous dans la merde vraiment hein. On est dans la merde dans ce pays à tous les niveaux. Maintenant, nous pas besoin que on vienne dire nous ça. Nous capables pourquoi nous et nos travail. Il faut que le richissime haïtien multimillionnaire qui gagne toute bagaille là mais qui gagne banque qui gagne toute bagaille yo même tout yo font effort pour nous dire à nous suspendre occuper nos deux petites richesses, nos petites biens, nos petites bien-être nous en garder pays à dans sa globalité, dans son intégralité. Patriote rassemblé pour sauver la caille parasol, by 10 ans pali sous travail, administration Moïse Lafontaine. Président parasol là, Yvan Bonhomme Salier, gros effort qui fait dans le cadre caravane changement, dans l'idée pour améliorer conditions la vie population. Et on extrait dans le micro d'Aline Dorival à Kruid Mayer Lucin. Pour ça qui concernait bilan gouvernement, parti politique parasol, Abdi Linoté. Tout effort qui fait avec par gouvernement ça, surtout avec question concentration de l'État avec dossier caravane, dans l'idée pour capable améliorer mauvaises conditions la vie population. Parti politique parasol a dit il prend note. 9 mois gouvernement qui monte sous pouvoir après cyclone Matthew et aussi après cyclone d'instabilité politique, dans un contexte, un taux démographique de 1,5% et aussi avec un taux de croissance
environ 2.5%. Parasol a dit, li noté progrès, mais yo pas suffi. Dans cas ça, la demandé pour président avec premier ministre là pour yo sita pour faire un passé maintenant gouvernement pour capable gain plus résultat qui baille. Parasol comme parti politique qui rapproche des populations a dit président à premier ministre là gain plein à cause gain une série de ministres gain une série de directeurs général qui pas dans niveau tâche qui pas capable aider président accoucher promesse électorale. Compagnie Universal Motor Océan, lundi 15 janvier, a un accord partenariat avec Barreau Port-au-Prince dans l'idée pour faciliter avocat qui fait partie Barreau à bénéficier d'une machine tout neuf à crédit. Directeur général Universal Motors là, Sébastien Boulos, expliqué avocat yo a gain d'après critère pour payer un intérêt 10% en goutte chaque mois sur une période 5 années. Et de l'autre côté, directeur général compagnie Universal Motors l'a lancé appel à l'autre association organisée dans le pays yo qui prêt pour prendre engagement à yo dans le cadre projet ça. Sébastien Boulos, Tenamico, Sainte-Croix, Paki et Hervé Joseph. C'est un partenariat avec le barreau de Port-au-Prince pour que nous offrions aux jeunes avocats une modalité de paiement pour que yo fait acquisition d'un véhicule tout neuf. Et son financement interne lié, c'est Universal Motors qui baille financement. Et taux d'intérêt, c'est 10% en goud jusqu'à 5 ans. Et fixe, il ne peut pas varier. Et c'est avocat, c'est bâtonnier qui baille avocat, il y a une recommandation. La VIN Universal, la prend pris formalité de crédit. Une fois que l'IA approuvé, c'est Universal Motors qui paye chaque mois pour faire avec la banque. Application de crédit. Il y a des attestations pour mon bail, des attestations bancaires et on lettre de travail et recommandations bas ou à grand pile pour tout. Et c'est à partir de ça qu'on a déterminé qui montant mon a payé chaque mois. Il suppose payer 30% de down, 30% de montant machine. Ça tout dépend de prix de machine choisie. Pipiti machine c'est 16 500 et bah ouais dans cadre programme ça, on a bénéficié de 5 à 10% de réduction sur prix machine. Donc petite machine rouge ça, il commence à 16 500 et bah ouais et l'offre fait calcul et par mois il vient en paiement mensuel de 25 000 goud. 25 000 par mois. Pour Pipiti. Garantie, c'est 3 ans, 100 000 km. C'est l'IC pour faire choix. Nous-mêmes, nous avons des machines de 16 000 $ jusqu'à 70 000 $. Donc, c'est selon le revenu que nous-mêmes avons aidé à déterminer qui ça qui n'en barème que l'IC capable payer. Nous-mêmes, nous disons bienvenue à toute association qui vient faire genre de partenariat. L'important pour me dire que association Baoua prend engagement, il prend responsabilité tout parce que si avocat n'a pas respecté engagement, c'est Baoua qui a sorti mal dans tout ça. Donc, il faut que ce débat soit bien étudié. Nous avons 6 mois depuis notre travail sur le projet. Mais nous verrons toute association qui est bien organisée, qui voulait faire des partenariats pareil. Bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince-Lan, Maître Stanley Gaston, bon côté pal, applaudit projet ça, il estime qu'il peut aider avocat yo à pratiquer métier sans aucune difficulté dans moyen déplacement yo. Maître Stanley Gaston, invité avocat yo pour aller remplir formalité yo. Maître Stanley Gaston, amico Sainte-Croix, Paki ak Hervé Pierre. Nous remarquons que depuis quelques années, la profession d'avocat est très rajeunie. À l'heure actuelle, 70% de nos membres, c'est des jeunes. Et un pile nan yo fait commencer à rentrer sur le marché du travail. Donc, ça qui implique pour yo fait face à certaines difficultés. Et l'on peut être un pays d'Haïti, surtout en matière de transport. Le transport n'est pas bien organisé. Il y a un paquet de difficultés qu'il y a à transport là. Donc, il y a un pile nan yo pour yo faire face à ça. Yo imaginez pour yo procurer des véhicules usagés. Un pile nan yo pour le moment tout, yo pas gain accès à crédit auprès de conseiller de banque. Il y a un pile d'avocats qui ont besoin d'ouvrir un cabinet et qui n'ont pas besoin de financement. Maintenant, c'est Wall Barreau à nous-mêmes pour que nous à l'écoute de nos membres, pour que nous essayions de soulager eux par rapport à certaines préoccupations.
Donc c'est ainsi que nous avons étudié marché véhicule là. Donc nous avons pris contact avec Universal Motors, nous avons exposé un plan et puis nous discuté. Donc yo voit que c'est un plan qui kembe la route. Donc ça qui explique que jodi a nous signons un protocole d'accord ça, mais nous signons nous-mêmes. Ça qui est important pour nous, c'est que nous c'est un barreau qui est au service de la communauté, nous au service du public et des justiciables. Et m'a pour dire encore, pour que pour un peu le monde capable de comprendre ça, un professionnel qui a un véhicule là, c'est avant tout un moyen de travailler. Ce n'est pas un revenu lié. Véhicule là, il va être transformé en revenu, en ce sens que il va faciliter l'activité. Si un professionnel, d'abord, qui va servir le client dans de meilleures qualités, il y a des fois où il y a des rendez-vous délocalisés avec le client, ce n'est pas toujours nécessairement dans le cabinet. Il y a un rendez-vous dans le cabinet de très tôt le matin ou très tôt le soir. Le fait qu'on ait un moyen de déplacement, ça permet que vous disponible pour le client. Lorsqu'on a un déplacement délocalisé aussi, ou capable là, mais pas au-delà tout. Le cabinet de l'avocat, c'est d'abord l'avocat. Donc, apparence avocat. J'ai un avocat présenté au public, ça tout, ça renforce l'avocat dans la prestation de service que le bail client. Et puis, notion de sécurité. Avocat circule avec des dossiers nominaux, qui sont des pièces importantes pour client, mais imaginez qu'un avocat là prend un taxi, là prend des moyens en commun, donc il n'y a pas toujours des garanties de sécurité voulues, mais le fait que qu'on est avocat libéral disposer de moyens de déplacement, donc avocat libéral, ça va faciliter notre travail, donc avocat ça, libéral servir mieux client. Il arrive le moment pour nous prendre une autre pause, pas débrancher. Nous balouer kounya zami téléspectateurs, actualité à l'autre bord de l'eau, autorité palestinienne Mahmoud Abbas voué jeté dimanche 14 janvier toute l'idée médiation avec États-Unis sous reconnaissance Jérusalem comme capitale Israël. D'après Mahmoud Abbas, autorité israélienne yo met yon bout à accord Oslo sous autonomie palestinienne qui était signé dans l'année 1993. Ensuite, palestinien Mahmoud Abbas l'ouvrit dimanche 14 janvier 2018 là une réunion extraordinaire Conseil central organisation libération Palestine OPL. Dans la réunion ça Mahmoud Abbas dénoncé décision président américain 6 décembre passé qui visait fait Jérusalem une capitale Israël. Dans le discours président autorité palestinienne t'est prononcé dans cadre réunion ça qui était duré presque 2 heures et demie, Mahmoud Abbas rejeté toute médiation avec États-Unis. D'après président autorité palestinienne, décision pour Jérusalem une capitale Israël là, c'est un crime administration Champlain. Palestine suspend contact li avec administration Champlain. D'après dernière décision yo, aucun dirigeant Palestine pas t'a doué rencontrer vice-président américain Mike Pence qui t'a doué rentrer Jérusalem entre 22 et 23 janvier. Reconnaissance Jérusalem, non, yon gros parti dans la communauté internationale la condamné, la cause en pile tension dans le Proche-Orient. Au moins 16 Palestiniens déjà perdu la vie. Yo. Et puis, dans le cadre d'un nouveau attentat dans le pays, l'Irak, des kamikazes explosés tête lundi 15 janvier sous place Al-Tayaran, dans le centre capitale iranienne, non. C'est 16e attentat qui commet dans 3 jours dans Bagdad, pays Irak. Ensuite. C'est pour deuxième fois dans 3 jours, un double attentat commet dans le centre Bagdad, pays Irak, côté deux kamikazes explosés tête. Ça passait dans la place Al-Tayaran, dans la centre capitale iranienne. Là. Explosion ça la cause au moins 30 personnes perdu la vie, à 94 autres blessés. Dans le mois de décembre passé, l'autorité pays Irak a annoncé pour tanguer contre le groupe État islamique là, qui prend bout, après avoir fini chassé dans la région Bagdad. Là. 13 janvier passé, 5 personnes ont perdu la vie et une dizaine d'autres ont blessé dans un attentat kamikaze, tout près d'un poste contrôle force sécurité irakienne. Yo. Attentat ça non plus, pas très revendiqué. Moins pas raciste, ces déclarations, président américain fait hier dimanche lent devant plusieurs journalistes. Donald Trump fait déclaration ça, dans intention pour mettre un bout à la polémique qui était soulevée jeudi passé. Dans le cadre d'une rencontre à quelques parlementaires américains sous façon de qualifier Haïti, Salvador et pays africains. Ensuite. Donald Trump tente de défendre tête li après vie déclaration qu'il a fait contre Salvador, Haïti et pays africains. Jeudi 12 janvier passé, quand il était traité, tout toilette.
président américain fait connaître qu'il n'y a pas aucun raillissement contre une race en particulier. Il y a une façon pour calmer tension, parole ça t'est soulevé. Après parole de Grabdaï, président Champio, 54 pays continent africain, t'es rapidement réagi pour condamner le mode propos ça. Et puis mandé pour le faire excuse publiquement. Avant nous fermer un journal là, mes rappels Titio. Travail et construction espace pour installer matériel pour fournir courant dans la commune Les Irois avancée d'après autorité zone land. C'est un signe qui montrait volonté président Jovenel Moïse Gagnin pour bailler commune ça un autre visage. Environ 48 000 kilos cocaïne saisie, 46 machines avec 20 motos confisquées, 588 moun interpellés et puis recherche derrière 329 lots. C'est bilan la police nationale d'Haïti pour l'année 2017 là, selon porte-parole en après la police là, inspecteur Gary Desrosiers présenté jeudi à. Yon l'autre bord, la police nationale d'Haïti a arrêté 4 individus dans le cadre d'enquête direction centrale police judiciaire sous assassinat Père Joseph Simoli. Pour premier lundi, la presse année 2018, là, c'est directeur général archives nationales d'Haïti, Wilfried Bertrand, qui présentait bilan activité archives nationales réalisées pour l'année 2017, là. Échange a continué dans chambre députée pour formation bloc qui doit inscrit dans BIOA avant formation commission permanente. Plusieurs rencontres faites dans sens ça, d'après député Grand Guavla, Jean-Marcel Luméran. Et puis, compagnie Universal Motors, si un lundi 15 janvier, il y a un accord partenariat avec Barreau Port-au-Prince dans l'idée pour faciliter avocat qui fait partie Barreau à bénéficier d'une machine tout neuf à crédit. Office Protection Citoyen OPC commencé une série de banaux objectifs pour mettre en valeur quelques personnalités nationales et internationales qui bataillent dans le domaine d'Ouamoun. Actualité à l'autre bord de l'eau, moins pas raciste. Ces déclarations, président américain fait hier dimanche l'an devant plusieurs journalistes dans l'idée pour mettre en bout à polémique l'été soulevé jeudi passé à façon l'été qualifié Haïti, Salvador et pays africio. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour attention. Bonne année tout le monde.